Thank you.
Bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 19 juillet 2024, il est 19h06 et ce soir, les amis, ce soir c'est PronoCart, voilà. Bon, je vais pas vous mentir, je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui, mais je ne désespère pas sur le fait que de passer un moment à m'amuser, une nébuleuse, à me faire éclater la gueule sur Mario Kart, ça peut forcément, voilà, améliorer un peu le mood, quoi, finalement, hein. Bon, attendez, là, je suis vraiment bas, je vais quand même baisser un peu la cam, attendez, je vais baisser un tout petit peu la cam. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois bougon? Ah, attendez, est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que ça va impacter ton jeu? C'est pour savoir pour les pronos. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Non, mais... Il y a des trucs dont je peux pas parler, mais... Juste déjà. Vous savez, pour mes chaînes YouTube, j'ai un network à l'ancienne. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles je sors assez peu de vidéos sur ma chaîne principale, mais... Le bourbier dans lequel ils me mettent très régulièrement en fait clairement partie. Je passe un temps fou à devoir gérer des trucs de merde. Et quand c'est pas du tout ce que t'as envie de faire, c'est usant. Ça fait partie des trucs. Et en plus là, j'ai chaud. Il fait chaud, c'est nul. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ça va se traduire pour vos pronos, les amis. Est-ce que je vais mettre toute ma rage dans les games et je vais être super fort? Ou est-ce que je vais comme être super à chier? Il avait fallu sacrifier quelques personnages sur l'autel de la vertu pour pouvoir recommencer l'école du vice. Alors, Lord Rubrik qui dit dans le chat, le network en question, ouvrez les guillemets, alors on va prendre 90% des revenus. Alors, Lord Rubrik... Tu ne crois pas si bien dire? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail où ils m'ont dit, pour une des chaînes qui n'est plus chez eux, c'est important de le spécifier, ils m'ont dit, alors on va prendre 100% des revenus. Ils ont dit, pour une chaîne qui est plus dans leur network, qui est la chaîne des temps forts d'ailleurs, ils ont dit, on va prendre une commission qui représente l'intégralité des revenus de la chaîne. Voilà. Et on paye ces gens, hein. Et on paye ces gens. Je pense vraiment... Vous voyez, c'est un peu les limites de l'IA, tout ça, de l'automatisation à outrance, à mon avis. C'est qu'ils ont fait un algorithme à la con. À mon avis, moi, c'est ça. Ils ont fait un espèce d'algorithme à la con... Où il y avait et en fait, comme ils voulaient faire ça sur une chaîne que ça concerne plus, qu'ils sont pas censés mettre dans le bail, ça fait que bah, pour un revenu de 0€, on prend 100% de commission. Peut-être un petit 110%, bien sûr, hein, tant qu'on y est. Oui, oui. Non, et oui, bien sûr. Non, donc voilà, il va falloir... Voilà. Donc c'est chiant quand tu dois gérer... Quand t'as déjà trop de trucs à faire et qu'en plus t'as ce genre de trucs à gérer. Bon, ça fait chier. On va se mentir. Bref. On va partir sur du MK. À la cool. Bonsoir, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Est-ce que j'ai vu le nouveau jeu speedrun de NES? Ouais, j'ai vu. Je pense que je le ferai pas. Ils m'ont proposé une clé, j'ai pas répondu favorablement. Je suis pas sûr que ça m'intéresse. En fait, je sais pas, ça... Je sais pas. Merci Richbis, c'est très gentil. Ça peut être sympa en multi. J'avoue, j'avais pas pensé au multi. En vrai, le multi peut avoir un intérêt. J'aurais dû peut-être proposer à Ultia ou quoi.
Ça a l'air claqué, on peut le dire. C'est un peu ce qui me fait peur, en fait. C'est un peu juste, ils ont rajouté Life Split sur des jeux de NES. Et voilà. C'est un peu le truc qui me fait peur, quoi. Peu importe le pourcentage, si c'est sur 0€, ça reste 0€. Bah ouais, heureusement. Hein. Mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste ça. Ils veulent modif des coms, ils veulent modif des commissions sur d'autres chaînes, etc. Enfin voilà, je vous fais pas tout le tableau. En plus, je sais pas ce que j'ai vraiment le droit de dire ou pas le droit de dire. Après, franchement, ils sont vraiment en freestyle total. Ils promettent des trucs, 6 mois plus tard, ils font l'inverse. Enfin, j'ai eu plein de soucis avec, vous voyez, les musiques que j'utilise de Epidemic Sound, de Audio Network, etc. Des trucs où en fait, ils t'annulent tes abonnements, mais ils le disent pas. Ce qui fait que là, quand j'aurai sorti ma prochaine vidéo, j'aurais pu me retrouver sans m'en rendre compte avec genre... vous savez, moi, c'est vraiment une de mes seules sources de revenus, c'est la monétisation des vidéos que je sors sur la chaîne principale. C'est une grosse source de revenus. Et j'aurais pu l'avoir démonétisée sans savoir et sans comprendre pourquoi. Et juste perdre, je sais pas, genre 2, 3, 4 mois de travail, machin. Tout ce genre de truc, tout le temps. Au bout d'un moment, je suis fatigué, je vous le dis. Au bout d'un moment, c'est fatigant. T'as envie de tout casser. Vraiment. Et au bout d'un moment, t'en as marre. Non, on m'a proposé la chasse au shiny aujourd'hui. Et en fait, j'ai vraiment hésité parce que je trouve que l'idée est super chouette. Mais je me suis rappelé que... Juste le fait de penser à chasser des shiny, ça me donnait envie de me défenestrer et du coup j'ai laissé tomber. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et tout, mais moi chercher spécifiquement des shiny, farmer des shiny, c'est un truc qui vraiment ne m'amuse pas du tout. Alors j'ai pas voulu me forcer, même si je trouve que l'initiative est grave, cool, il y a plein de gens qui vont dedans et tout. Mais j'ai pas envie de me forcer, c'est pas mon truc, la chasse aux shiny ça me fait chier et puis c'est comme ça, je peux rien faire. Non mais c'est quand même particulier, chasser des shiny, et ça a pas été vraiment créé pour ça non plus, les shiny, c'est plus... Enfin si, quoique, c'est aussi un peu pour ça, c'est aussi un peu pour farm, parce que sinon il y aurait pas des augmentations du taux d'apparition, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire, moi c'est pas mon truc. Je suis venu en live en me disant, oh chouette, quelqu'un qui ne participe pas à cet event, pourquoi ça te saoule la chasse au shiny? Ça te saoule la chasse au shiny? En vrai, je comprends, hein, mais... moi, je suis content qu'il y ait des gens qui aiment bien et qui participent à ça, je trouve l'idée méga cool. Tout le monde n'a pas la patience de mettre Armand, t'inquiète, ouais, bah c'est ça. Hein. Tout le monde peut rejoindre la game, là, ça se passe comment? Ouais, faut aller dans Ami Adversaire, et ensuite il te propose de rejoindre avec un code. Dans Ami Adversaire, hein, pas dans Tournoi. Il y a absolument tous mes follow qui font ça. Bah en vrai, ça m'étonne pas parce que l'idée est grave cool. D'ailleurs, je sais pas si... Moi, si je l'avais fait, ça aurait été sur Pokémon Let's Go. Vraiment, je pense que ça aurait été sur Pokémon Let's Go. Pokémon Let's Go est un jeu que je n'ai jamais streamé alors que je l'ai trouvé absolument incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont ragé dessus et tout. Ou alors des gens qui n'avaient pas la nostalgie de la Madeleine de Proust parce qu'ils sont trop jeunes. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style graphique, les petits changements de gameplay, notamment un peu inspiré de Pokémon Go, où tu lances la Pokéball, les réorchestrations des musiques et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment un très, très bon jeu, Pokémon Let's Go. Donc, si je l'avais fait, ça aurait été sur Pokémon Let's Go. J'en parle avec Monsieur Connard là de mes histoires de network. J'ai pas voulu que tout ce qu'il m'a écrit, mais il me dit. En fait, vraiment, j'ai rarement reçu un mail aussi imbitable de toute ma vie et ça m'a tilt un peu. Vraiment incompréhensible.
Ce dimanche, tu participeras chez les Rolus. Bah, j'ai demandé, moi je suis chaud, j'ai demandé à Bribri s'il restait une place et si c'était toujours prévu vu qu'il y a son event des Shiny justement. Mais moi, s'il y a Rolus dimanche et qu'il y a encore une place pour moi, j'en serais, ouais. Mais j'ai aucune certitude qu'il y aura le, y aura les Rolus vu l'event. Le mail est en français, ouais, c'est une boîte française, hein, Cocorico. Vas-y, on va lancer, puis s'il y a des gens qui veulent rejoindre, ils pourront rejoindre in-game directement pendant les courses. C'est parti. Ping. Ok, prono carte est prêt, ça va le faire. Tac. Ça je ferme, j'ai pas besoin, ça je ferme, j'ai pas besoin, ça je ferme, j'ai pas besoin. Tac. Je vais voter. Je vais voter quoi? Je sais même pas ce que je vais voter en vrai. Allez. On est 7 4, 5, 6, 7, ouais. Ah, j'aime bien. C'est parti. J'espère que ce network ne commence pas par W. Non, mon network ne commence pas par W. Je pense que le network en W est plus stable que le mien, sans déconner. Moi, je suis dans un network, c'est genre, je vous donne que des données publiques. Hein. Mais je crois qu'il y a eu un moment des bails avec TF1 en mode, très très prometteur, en mode, ils l'ont racheté des millions ou je sais pas quoi. Ils ont racheté la boîte des millions. Ensuite, énorme flop et la boîte valait trois fois moins que ce qu'ils avaient racheté ou quelque chose comme ça. Il y avait un bail comme ça, faudrait que je regarde dans le détail, mais c'était assez triste, hein. Oh là là, j'ai regardé derrière exprès pour pas me la prendre. Je suis deg. Pam pa 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 pam. Oh les objets de merde, le bloop c'est la plante piranha. Non, mais chef! C'est ce qu'on appelle un low roll, hein, quand même, hein, ça. Oui, bah évidemment, évidemment! C'est quand même terrible, hein. Ok, donc je vais aussi me faire casser la gueule dans Mario Kart, c'est ça le projet. Ah, est-ce que je dois l'utiliser maintenant ou pas? Attends, je pense que je prends ça et là, tac. Je n'ai pas pu rattraper l'outre. Et bravo les gens qui avaient prono 3. Désolé si la question paraît bête, mais comment ils peuvent prendre 100% des revenus de la chaîne si elle est plus dans ce network, ou alors j'ai pas saisi tout ce que t'as dit? Non, t'as bien saisi. Et j'ai pas la réponse à ta question. Non, mais je pense que juste que c'est des... Ça, pour le coup, je pense que c'est juste... Ils sont aux fraises et ils ont pas capté que la chaîne était plus dans le network. Mais vraiment, tu reçois un mail en mode « Ouais, ça...
On va prendre 100% des revenus de cette chaîne-là. Non, mais évidemment, je veux dire, vous allez rien prendre du tout. Votre network, il est pas connecté à cette chaîne. Ou alors, je dis rien, et après, dans un mois, je leur fais un virement. Et tous les mois, je leur fais un virement de tout l'argent que je gagne avec cette chaîne. Et au bout d'un moment, ils vont se faire rattraper. Ils vont pas voir qu'il y a un virement. Ils vont se faire rattraper par le fisc. Ils vont dire, c'est quoi ce virement? Non, je sais pas, je cherche des... J'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées. Et ce sera Athènes. C'est parti. Ok, c'est parti. Yes, bah oui, avec une pièce en deux, oui, je peux pas énormément me défendre. Les objets qui mettent 45 minutes à charger. Ah, il y a moyen d'avoir deux objets ici, ça peut être pas mal. Putain, par contre, l'atterrissage, je maîtrise pas du tout. Pas mal. Faut vraiment qu'à chaque fois que je suis sur de l'herbe ou quoi, je dirais que je me prenne une foudre, hein, vraiment. Y a pas un seul fois où je vais faire un cut champi sans qu'il y ait une foudre. Oh, je le sens, c'est ma soirée là. Allez. Bon, par contre, le premier est irrattrapable. Hein. Ah, peut-être que si, en fait. Attendez. J'espère que ça se prend pas les machins, là. Oh, le bâtard, il est trop fort. Ouais, je pourrais pas le rattraper, là. JD a fait combien la game d'avant? Troisième. Il y a déjà des combos, ouais, j'avoue. Par contre, Strat VS, on va t'attraper, hein. Je vais pas te laisser dominer cette soirée. Allez, Château de Bowser, parce qu'on l'a pas fait la dernière fois, je crois. Salut, Ojou. En plus, il gagne des points, ça dégoûte. Allez. La station Glagle. Ça fait un moment aussi, la station Glagle. Putain, le prono 2, il vaut rien, c'est une dinguerie. Le prono 2, il vaut vraiment pas grand-chose. Ok. Merde. Oh. Merde, je croyais qu'il y avait une zone anti-gravité. En fait, non.
Non, c'est pourri. Oh, c'est pourri. Ouais, bon, au point où j'en suis, je peux tenter le cut. Les objets mettent vraiment longtemps à proc, hein. J'ai l'impression que les objets mettent vraiment une éternité à proc, c'est insupportable. C'est le Yoshi rouge, il fait bugger toute la room pour gagner, c'est trop grave. Mauvaise foi de fou, évidemment. Wow, il se met trop bien avec l'étoile. Eh bien bravo les gens qui avaient prono 2, mais c'est fou parce que moi je pensais vraiment que c'était impossible que je fasse 2 et prono carte avait compris que j'allais faire 2. Mais prono carte est beaucoup trop fort, qu'est-ce que vous voulez? Prono carte, l'énorme cerveau, voilà, on n'en peut plus. Hein. Ah ouais, il y a encore des combos, bravo. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et le château de Bowser. Bon, là, il va dire que je vais faire 2, je vais pas faire 2. Je vous le dis cash, il va dire que je vais faire 2, je vais pas faire 2. My bad, il dit que je fais 3. D'après prono carte, je vais faire 3. Ah, moi je dis que je vais faire 4, c'est mon prono. Non, regardez, je vais faire prono 4 dans la flemme. J'ai failli, je me suis dit, est-ce que je fais prono 4 dans le chat, mais la flemme. Ah ouais, je suis allé du bon côté, moi. Tout le monde est allé du mauvais côté, c'est pas possible. What? Ok. Ok, j'ai pris l'aspi. Ah, le virage est un peu chaud, mais ça va. Objet de con. Oh, j'ai raté le boost. Oh, j'ai raté le boost, c'est trop grave. Oh, la triple banane va m'emmerder. Ok, non, ça va. Il va y avoir une foudre. Trust. Bon, il n'y a pas de foudre. J'ai goûté. Il va arriver un peu après, du coup.
Ah là là, je suis bête. Est-ce qu'on a pas un peu marre que Pronocard soit trop fort en vrai? Est-ce qu'on n'a pas un peu marre que Pronocard soit trop fort? C'est vraiment la question que j'ai envie de poser. C'est une dinguerie, hein. Si t'avais Prono, t'aurais pas eu de points, effectivement. Ah, j'ai pas voulu faire confiance à Pronocart alors que c'est une machine très fiable. Hein. Faut demander à Pronocart là qui va être prochain ministre en France. Hein. Il va vous le dire direct. Hein. Ouais, je le rentre manuellement la position à la fin de la game. On n'a pas encore fait de truc qui lie la position. Et ce sera le désert Calimari. Alors. Toujours troisième. Non, là, j'y crois pas. Là. Troisième, il donne plus que 85 points. Troisième, il donne plus que 85 points. C'est abusé. Non mais si je rate les objets aussi... Oh, je rate tous les objets. Il va me voler les objets, Strat VS. Ah, ça y est, la game est foutue. La game est foutue. Il y a Toadette qui me colle avec ses carapaces, là. Je me suis arrêté pour avoir l'objet. Au bout d'un moment, il y en a marre. Bon, bah ouais. Allez. Hop. Ça a pas proc la pièce. Du coup derrière, Pitched va avoir une dinguerie pour m'éclater. Je vais terminer deuxième. Ouf. Deuxième. Ça va. Bravo les gens qui avaient prono 2. Nous avons déjoué les pronostics de Pronocard, ça y est. On a enfin réussi. Ouais, ça peut pas marcher à tous les coups. Mais putain, quand j'ai vu la rouge arriver sur moi, j'y ai cru un peu. Hein. J'y ai un peu cru en vrai. Bon, a priori, d'ailleurs, les amis, je vous l'aurais dit, mais a priori, là, Pronocard, ça va être heure fixe, hein, vraiment. Pronocard, ça va probablement être tous les vendredis à 19h, a priori. Hein.
On risque d'aller là-dessus. Genre, sauf exception, tous les vendredis à 19h, prenez nos cartes. On se dirige probablement vers ça. Même si au bout d'un moment, je risque d'en avoir giga marre et de rage quit comme Ponce avec ses tournois du dimanche, on verra. Mais je pense qu'on va faire ça pendant au moins un temps, a priori. Tout le monde passe du même côté, je suis sûr que l'autre côté il est méga safe, mais ça va, là il n'y a pas eu de problème. Merde, j'ai mal visé, c'est trop con. Mon perso est vraiment trop léger. Mon perso est définitivement trop léger. Ah, il n'y aura pas de foudre ou alors elle arrive un poil plus tard, mais je pense pas. Ça passe ? Ouais. Ok. J'ai trop peur de me faire baiser, je les proc. Une banane en 5 ? What ? C'est possible ça seulement ? Je savais même pas que statistiquement c'était possible, genre. Je suis choqué. Bon, ça va, ça nous rend vraiment service. La foudre Caproc à ce moment précis nous a mis très très bien. Putain, c'est déjà le dernier tour là. Je sais pas ce qu'on peut cook par contre. Hein. C'est hyper dangereux ce que je fais, mais vas-y. Ça a pas touché le bon man! Ça a pas touché le bon man. J'aurais pu faire deuxième potentiellement, je pense. Bravo les gens qui avaient prono 3. Je sais même pas ce qu'avait dit Ah bah, je pense que prono carte avait dit 3. Je pense que prono carte avait dit 3. Quand je dis c'est ce que dit prono carte, en gros c'est le prono qui rapporte le moins, si jamais vous vous posez la question. Et on part sur la vallée Yosh. Bon, prono 4 va dire 3 du coup, forcément. Voilà. On dirait presque que les cotes elles ont freeze. Mais je pense pas en vrai. C'était 84 déjà tout à l'heure, je sais plus. Ah, j'ai mis en pause le chat sur mon écran sans faire exprès. Attendez, je vous lirai après. Ou alors, faut que je, au tour 2, que j'aille prendre le canon pour avoir quelques instants de... C'est bon, j'ai rattrapé. J'ai réussi à récupérer le chat.
Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu, je l'ai saucé. Oh, la sauce. Il lit son chat au volant, réel. Non, cette verte là, waouh. Ah mais regardez Strat VS qui a tout le temps des billes et tout, c'est trop bizarre. Hein. Moi je dis c'est un combo d'objets même pas possible ça, la rouge et... Triple rouge et le bill c'est même pas possible. Clairement on est sur un tricheur, il va me bomber, voilà. Enfin, là, le fait de pas pouvoir cut ça fait mal. Strat VS full action replay, hein, mais on le savait, hein, on n'est pas surpris. Oh l'objet de chiottes. Faut dire les termes à un moment. Bon, si déjà il me libère le slot, c'est bien. Troisième, bizarre. Troisième, bizarre. Je suis l'éternel troisième. Bravo hein, les gens qui avaient prono 3. Oh là là, le règne de la troisième place est terminé, je pense. Je pense maintenant ça va être top 4. Alors, ce sera le circuit d'Hyrule. Voici les cotes. Hein, c'est toujours le prono 3 qui rapporte le moins. Mais il a quand même été vachement réévalué. C'est-à-dire que vraiment, quand on était à 82-84, Chrono Kart, il était en mode « je suis sûr ». Je suis sûr que c'est top 3. Là, il est en mode « bon, ce sera peut-être top 3, mais voilà, pas forcément, quoi ». C'est une bombe, hein? Je crois que c'est une bombe. Non, bah c'était pas une bombe, alors c'était un champi. J'ai mal géré le virage. Non, ça s'est fait manger. Manged. Je savais pas que les rouges, elles se faisaient manger d'ici. Ah merde, j'aurais pu y aller.
Bon, je viens peut-être de lui offrir un magnifique dodge, là. Ah ! J'ai un peu chié sur la fin. Mais faut croire que c'était le destin, j'avais dit top 4. Bravo les gens qui avaient prono 4. Il y a des gens qui m'ont suivi, là. Hein. Putain, j'aurais pu faire tellement mieux, mais c'était compliqué de tout enchaîner, là. Le klaxon, le virage, tout ça. En tout cas, ça fait bien bouger le classement. Hein. Taper tes strats vest, c'est le principal, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh non, pas le royaume sorbe. Ok, route arc-en-ciel N64, c'est parti. Prono carte dit 4ème. Moi je prono 7ème. Oh non, c'est Strat VS qui me passe devant. J'ai pas eu d'objet à ce moment-là. Ça peut être pire que 7ème. Oh là là, ça peut être pire que 11ème. Ça peut être pire que 11ème actuellement. J'ai pas eu le double objet. Ah, peut-être 6ème. Hein. 5ème ? 5ème, ok. Bravo les gens qui avaient prono 5. Il fallait le tenter. Ouah, c'est bizarre Elchin mort. Trop chelou. Bravo Random Land pour la première place. Je me suis mangé tous les objets à la fin. On a vu qu'il y avait eu des dingueries, ouais, Mick. Donc là, on n'est plus que 11. Pack Bodhesi, c'est un call qui me plaît aussi. Je le voterai après. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, en vrai. Quand il y aura ma map qui aura été votée, je voterai Pack Bodhesi. Et on refait une map qu'on a déjà faite. Douzième pour l'instant.
Oh, la banane invisible à l'œil nu. Je suis dégoûté. Je suis passé au travers de la main de Bowser, mais bon. Nul le boomerang. C'est peut-être pas malin d'envoyer ça juste avant le boost. On va faire 6ème. Ou peut-être plus. Ah, 6ème. Bravo les gens qui avaient prono 6. Pas mal le prono 6 là, ça rapporte hein. Ah ouais, Random Land qui confirme en plus. Random Land qui confirme avec... qui creuse l'écart là. Avec 490 points d'avance sur le deuxième, c'est énorme. C'est énorme, mais tout est encore jouable bien sûr. Ok. Et ce sera Montagne DK. C'est parti pour la Montagne DK. Que nous dit PronoCart au niveau des cotes? Il nous dit que je vais faire 5ème, c'est ça? Ouais, je m'en doutais. Il nous dit que je vais faire 5ème. Et c'est parti. J'ai complètement raté ce cut, j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est terrible. Le problème c'est que si je prends le cut là, le grand 09 il va me focus. Ouais. C'est même pas qu'il m'a focus, c'est vraiment je me suis retrouvé pile derrière lui. Jamais fait top 1 je crois Prado sur ce lobby. Ouais, pas fou les objets là. Devant ça a des bleus, tout ça. Bon, cette fois on va pas se chier sur le cut. Enfin, on va essayer. Il était propre. Il était propre en vrai. Je pense que j'ai pas le temps de cut là. Ah, c'était un peu juste. Je savais pas trop quand le proc ce champi doré, mais bon.
Non mais vas-y, fais un plus gros détour aussi. Non mais il est pas sérieux lui. Il est pas sérieux le Bill. Le Bill, il m'a fait une trash plus longue que si je l'avais pas pris. Enfin, il a mis plus de temps que si je l'avais pas pris. Et bravo les gens qui avaient prono 5. Ok, bah si j'avais su, j'aurais proc le Bill un poil plus tard. Sans le détour, j'aurais clairement fait 4, hein, c'est sûr. C'est un peu abusé quand même. Je pensais, je me dis, vas-y, je le proc à cet endroit-là. Bon, théoriquement, vu la gueule de la map, il va aller... Voilà, quoi, non. C'est un peu abusé, quand même. Ok, la salle de bain, c'est parti. Pam 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 pam. D'un seul coup, chip. C'est une drôle de chose. Merci Onim pour le Prime. Merci beaucoup. Pas passé loin ça. Hein. J'ai mal timé, je connaissais pas cet endroit de la map. Putain, c'est dommage, franchement j'aurais pu bien le timer là quand même, le champi. On aurait probablement fait top 2. Eh bien, ce sera un top 3. Ah, dommage que j'ai mal timé ce champ-là. Le classement qui va continuer à bouger, ok. C'est la fin du premier tournoi. Eh bien, écoutez, deuxième tournoi. Deuxième tournoi, je sais pas à quel point il y a des gens qui voudront rejoindre ou non. Donc je sais pas s'il y a besoin de laisser beaucoup de place ou pas, j'en sais rien franchement. Il y a des gens qui laissent naturellement la place, donc il va pouvoir y avoir des... Si des gens veulent rejoindre, il va y avoir des places. 4, 8, 11, il reste une place encore si jamais. Ah, je peux remettre le code pour ceux qui n'ont pas le message épinglé.
Bon appétit, Mick. Il reste deux places, il reste une place. 4, 8, 11. Il reste une place si jamais. Sinon, ce sera toujours possible de la prendre un peu plus tard. Si jamais. Je pense qu'on va terminer sur un 16 courses et après je m'arrêterai. Hein. Je sais que ça fait un live plutôt court. J'ai trop chaud, les amis. J'ai trop chaud et cette journée m'a trop pris la tête. Allez, je vais lancer. Mmh. 16 courses sans le... Sans le bloop, c'est la plante. Je sais pas ce que ça vaut. On est 12, on est 12. Donc si jamais j'ai enlevé le bloops et la plante piranha. Donc ça nous aura fait, on aura fait 28 courses aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ah, Flipper Luigi, j'aime bien aussi. Et puis île de Yoshi, un classique, hein, bien sûr. Et bah, île de Yoshi. C'est parti. Bon, qu'est-ce que nous dit Pronocart, là? 106 pour la quatrième. Il dit la quatrième, ah ouais. Ok. Ok, let's go. Je pense même si j'ai les champis, ça reste plus rapide. Non, en fait, je suis content d'avoir les champis finalement, ça va. Bon, la course commence vraiment pas bien et j'ai l'impression que le niveau de la room est pas mal du tout. Ouais, un peu tôt peut-être l'étoile pour dodge une éventuelle foudre. Fait chier. Fait vraiment chier de pas avoir eu d'objets à ce moment-là. Ah, puis je suis si léger. OMG, le top 9. Je suis vraiment bolos. D'être tombé de la rambarde, c'est vraiment... 9ème ? 7ème, ok. Et bah bravo les gens qui avaient prono 7, ça va rapporter des points ça. Ouais, 411 points, c'est beaucoup.
Et voilà, Emlindé, tu demandais de sortir de la team 0 points, c'est fait. Ok, c'est Fizzab qui prend la tête avec, avec seulement 7 points d'avance. Incroyable. Bravo. Ah oui, parce qu'en fait, Fizzab en plus a fait un combo en faisant deux pronos hyper éloignés l'un de l'autre. Ah, bien joué. Très bien joué. Le 100 points en un seul combo, c'est hyper fort. Mon festif. Je tente le cut, même si ça va être chaud sans objet pendant un moment, mais vas-y. Le problème, c'est que du coup, je vais me faire défoncer direct après, voilà. Ouais. C'est le problème de ce cut. Il faut idéalement avoir un objet derrière. Je suis passé de premier à huitième, hein, en me prenant un truc. Tu te rappelles encore de la première visite de cette map? Moi pas du tout. Oh là là. Terrible. Non mais le grand 09 qui backspam là, c'est pas sérieux. Il backspam alors qu'il y a des gens devant, bref. Oh les objets de merde, je suis deg. Non mais pourquoi tout le monde backspam des objets là? J'ai spam exprès pour pas me le prendre, je suis vraiment deg. Pas de dinguerie possible, c'est un top 9. Bravo les gens qui avaient prono 9. Ah, il n'y a que Ikari qui a tenté 9. Bah, bien joué Ikari. Bon, le lobby est vachement plus dur qu'avant. Hein. Le grand 09 a déco avant le début de la course, donc c'est un bot qui t'a backspam. Ah ouais, oh c'est trop grave. Ah, oh, c'est trop grave. Je me suis fait backspam par un bot. Allez, enfin, château de Bowser 3. Parapaparam.
l'impression que ça rouge. J'ai l'impression que je me suis fait carotte. Ouais, quand même. Ah ouais. D'accord. On va remonter. C'est sportif hein, quand même actuellement. Merde, je vais m'en prendre. Ok. Oh la plante. J'aurais pu gratter une place de plus si j'avais mieux joué. Et bravo les gens qui avaient prono 5 quand même. C'est bien joué. Putain mais ouais ok, le lobby est puant de fou là. Hein. Le lobby est très très puant en vrai. J'avais dit paquebot Daisy. Hop là. Cap Koopa, ok, ouais, bonne idée en vrai. Ok. Musique de fou, hein. Hein? Bon, d'accord, hein, on va dire que c'est normal. Je vais en prendre une là, non? Non, pas encore. Merde. Ouais, s'il y a une faute, ce sera un peu plus tard. Il y a le cut super dur à faire là.
Ouais, ça va, je l'ai bien géré en vrai. Je suis content. À la première place, je crois qu'il faut vraiment abandonner les espoirs. Hein. Dis-moi pas qu'il a... Oh le dieu! Non, je suis trop fort. Non, je suis trop fort. Ah ouais. Oh là là. J'ai dodge les deux bleus avec des champis. J'avais deux champis. Il y avait deux bleus. J'ai dodge les deux bleus. Y a pas de chance, hein, c'est juste j'ai bien joué. Ouais, c'est possible de dodge les bleus. Y a un tout petit créneau où tu peux proc le champi. Wow, trop fier. Trop fier du move. C'est un glitch ou c'est prévu? C'est prévu. Enfin, je pense. Ok, une map que j'adore. Route Arc-en-Ciel SNES. Ouais, je pensais que je pourrais l'avoir. Il est chiant à me pousser, lui. Avec son perso craqué de merde. Ouais, super la banane. Ah, j'avais plus le bout. Ok. Ah, j'ai pas de chance sur les objets là, vraiment. En plus, je reste bien petite, 10 000 ans. Ah, vas-y, j'ai utilisé la carapace, mais ça va pas suffire. Enfin, c'est dommage, hein, on était à un bon début de run. Mais tout s'est corsé. Ce sera une 6e place, les amis. Bravo les gens qui avaient prono 6. Ouais, Draw Runner. Pas si mal, Draw Runner. Un top 10 quand même. Hein. Puis Warionet qui continue de monter aussi. Warionet qui a envie de créer la surprise. On peut encore rejoindre ou c'est complet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste une place, Pretix. Il reste une place. Le code, il est épinglé si t'es sur PC. Et sinon, je te le dis à l'oral. Note-le. C'est LJKFM. Circuit Yosh.
Le circuit Yosh. C'est parti. Prono carte, toujours absolument persuadé que je vais faire top 5. Ok. Absolument persuadé, n'abusons pas, 137 quand même. Et il dit que je peux aussi faire top 4, mais moi j'y crois pas du tout. Moi je pense que c'est plutôt un peu plus bas quoi. Ce que je vais faire. Genre ça va être top 6 ou 7 plutôt. Ah dommage. Ok. Tain, il a du bol quand même, ok c'est bon. Que j'essaye de farm ouais. Ah dommage. Ah oui c'est vrai qu'elles sont pas annoncées les bleus dans celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ma pièce juste avant. C'était débile. Oh non je me prends ma propre verte. J'ai été premier toute la game, hein, on rappelle. Quoi, je pense... Ah ouais. Ok. Oh oh. Je suis 12ème. Je suis 12ème, les amis. 100%. Tra, si quelqu'un a prono 12, il va se mettre vraiment bien. Oh, j'ai été premier toute la game, frère. Oh, je me fais pousser pile à l'endroit où il y a les objets, ce qui fait que j'ai même pas un petit objet. Bon, personne n'avait prono 12. Personne n'avait tenté le prono 12 alors qu'il y avait énormément de points à se faire, c'est dommage. C'est vraiment dommage, il y avait de la thune à se faire là. Il y avait des bons petits points. Je sais même plus combien, à combien c'était coté la place 12. Waouh. Ah ouais. Oh, j'étais premier quasi toute la game. Les deux premiers tours. Circuit Mario 3, c'est parti. Bon là, ça, il va dire que je vais faire 7, c'est ça? Il va dire que je vais faire 6 ou 7. Il dit que je vais faire 8 carrément, ça y est. Ça y est, Prono Kart a compris que j'étais à chier et que le lobby était dégueulasse. Un peu tôt ça, hein. Ça passe. J'ai failli l'utiliser. Bon, de toute façon, je m'en prenais une quoi qu'il arrive, visiblement. Désolé.
Mais vas-y, c'est trop grave ça. Oh vas-y, pitié que dans le prochain Mario Kart soit un peu mieux équilibré. Je me suis à peine fait pousser, ça m'a décalé de 4 mètres. J'en peux plus. Allez vite, un objet là. Bon, l'objet est pas ouf. Et je l'avais pas désactivé la plante? Et attends, je l'avais pas désactivé la plante? Je viens de capter là. Je croyais avoir désactivé la plante. Mais j'ai désactivé quoi si j'ai pas désactivé la plante? Non, je l'avais dit. Mais du coup, j'ai désactivé quoi? Juste le bloops? Juste le poulpe, ok, putain, d'accord. Random Land qui revient en tête, OMG. Ah, d'accord, ok, j'ai mis click, my bad, j'avais pas vu. T'as appuyé deux fois, ah merde, ok. Oh là là. Putain, si j'avais pas eu cette plante... Ça aurait quand même pas mal aidé, hein. Ah, j'ai cru un petit jardin volant, mais ce sera volcan grondant à la place. Vous pouvez faire vos pronos à partir de maintenant. Donc là, sachant que j'ai fait 7ème, il va encore dire que je vais faire 8ème, je pense. Ah, il est sur 7ème, ça y est, il est retourné sur 7ème. Il pense que je vais faire 7ème, ok. Oh, il est tombé dans le vide. Terrible. Ok, on a l'avantage de redémarrer assez vite grâce au champi. Je sais pas trop ce que je dois penser de ces objets là. Putain, est-ce que je vais choper une doublette ou pas? On va pas choper la doublette. Dis-moi que je peux faire le saut quand même. Franchement, c'était top 2. C'était top 2. C'était top 2 de fou, vous auriez pu vous régaler les pronos 2, je suis désolé. La toute fin avec la double rouge a fait trop mal. Je sais pas si j'avais gardé mon champi... Ouais, non, je pense que dans tous les cas, j'étais cuit. Aïe, aïe, la fin a fait très très mal.
Oh non, c'est Strat VS en plus, le tricheur, ça dégoûte. Ah bah, Circuit Mario 3 qu'on vient de faire. C'est parti. Aïe. Bon, en vrai, le premier tour sur cette map, on s'en fout un peu, hein. En vrai. Pas eu le temps de proc ma verte. Trop low. Il y a deux personnes avec des étoiles derrière, ah oui, quand même. Et moi aussi j'ai une étoile maintenant. Eh ben. Oh merde. Ouais, mal calculé. Mal calculé à durée. Ça par contre je me mets très très bien là-dessus. Je me mets extrêmement bien. Trop, c'est de la méga merde ça par contre. Ça c'est très bien. Je me suis gouré dans la forme de la map, je suis dégoûté. J'ai même pas réussi à dépasser Strat VS en faisant que des cuts champi doré. Bon bah troisième, hein. Bravo les gens qui avaient prono 3. Félicitations, vous avez été assez nombreux à tenter le prono 3 et vous êtes récompensés. Ce qui nous donne toujours Randomland en tête, mais Strat VS juste derrière. Warionette aussi, hein, qui ont continué à remonter et qui arrive sur le podium. C'est très serré entre les 3 personnes sur le podium actuellement. Tout peut encore changer. Tout peut encore changer, on rappelle c'est un truc de 16 courses et je crois qu'on en est à la 10e, il me semble. Et ce sera Paris! Bravo pour tes premiers points, Allrailis. Moi, je prends nos deux, t'es sur la remontada, JD. Ouais, mais Paris, voilà, il y a tout ce qui est bouché pour les JO et tout, à mon avis. Donc, je vais plutôt faire 9e, quoi. D'ailleurs, j'ai été méga surpris, mais ils ont fait... Ils ont réellement fait une mise à jour pour qu'on voit Hidalgo qui se baigne dans la scène. Ça m'a choqué quand j'ai allumé ma Switch et que j'ai vu la mise à jour MK8. Et puis du coup j'ai regardé le patch note et voilà, là vous allez voir, attendez. Voilà, là à droite, là, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. C'est vraiment une dinguerie d'avoir fait ça en vrai. On verra peut-être mieux au prochain tour. Hein. Voilà.
Alors, attention parce qu'elle bouge là, elle va peut-être ailleurs. Là, elle est juste avec la péniche là. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de voir, hein. c'est pas du scam, hein, ce que je vous raconte, c'est réel. Non, ils ont pas rajouté Macron qui se baigne dans la Seine encore. Ils ont mis que Hidalgo et sur le troisième tour qui est à l'envers, c'est, tu vois, Oudéa Castera qui glisse dans sa bouche d'égout là. Ah. Ouais, là à droite, là, mais on va pas avoir le tour. Ouais, on peut pas voir, malheureusement. Oh, ça, c'est chiant, ça. Je pensais avoir les deux. Bon. On peut recut un petit coup, mais le problème, c'est que derrière moi... Ok, j'ai perdu. J'ai perdu et je pense que je fais 11e. Oh, les deux foudres d'affilée, c'est dur. On essaie de récupérer de la vitesse comme ça, mais rien à faire. 9e. J'ai perdu à cause de Oudéa Castera, je vous le dis cash. Et bravo Ikari, Prado et Magikarp pour les 540 points. Félicitations. Il y a quelqu'un qui a fait crash la room. Je pense que la room va crash. Ouais. Bah écoutez, je vais refaire une petite room de 6 courses. Je vais refaire une petite room de 6 courses. Tac. Tac. Hop, hop, hop. Tac. Retirer ce message épinglé. Hop. Prenons carte discipline olympique officielle au JO, bien sûr, bien sûr. Donc je rappelle le code si jamais c'est 9, partie fondée par des Waffen SS, CC. Si jamais vous avez besoin du code pour rejoindre, si vous êtes sur mobile. 4, 6, 8, 9. Il reste 3 places si jamais. Il reste 4 places. Places à nouveau. Ça arrive souvent les bugs de co, les bugs co comme ça. Ouais, quand même. Ouais, quand même. En vrai, ça arrive assez souvent. Donc là, il reste 2 places. Je crois qu'on était, était complet. Ouais, on était 12 tout à l'heure. Donc s'il y a 2... Après, peut-être qu'il y a une personne qui a crash, qui a pas envie de revenir. Parce que je sais pas qui a fait crash la room, mais il y avait clairement quelqu'un qui bougeait plus, qui était à l'origine de ce crash, a priori. Mais écoutez, je pense que je vais lancer avec 10 et puis on verra bien. Hein. On va voir. Bon, allez, on va démarrer avec 11. Et donc, cette fois, je vais pas me gourer sur les objets, du coup. Je vais bien enlever... Vous savez quoi? Cette fois, on va laisser le bloops et on va enlever la plante. Comme ça, on aura fait un peu des deux. Je peux mettre plutôt 100 CC. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas joué en 100 CC, en vrai. Mais 100 CC, je crois que ça fait pas trop bizarre quand il joue. 4, 6, 8... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. 4, 6, 8, 10, 12. Ah, on est 12, c'est bon. Non, attendez.
4. Ah, j'ai l'impression d'être dans le mini-jeu Mario Party là. 4. Si, si, on est 12. On est 12. Et on ne retire toujours pas mon action replay. Et non. De sans cesser, on le fait une fois de temps en temps. Et à chaque fois, on est déçu, hein, bien sûr. Vu que c'est un mode qui n'a pas d'intérêt à part dire « Oh là là, ça va vite !» Mais forcément, Nintendo, ils sont pas bêtes, hein. Entre « On fait un nouveau F-Zero » ou « Ah bah on va mettre le 200cc dans Mario Kart, même si c'est pas du tout adapté. » Ils ont choisi ce qui leur coûtait le moins cher, hein. Ok, c'est parti. Un nouveau F-Zero sur la nouvelle console, mon rêve. Mais en vrai, c'est trop de niche pour que... Je pense que c'est vraiment trop de niche. Par contre, j'ai vu, il y a un projet que je suivais depuis super longtemps d'un gars qui faisait un... Comment dire? Un jeu type F-Zero qui a l'air vraiment bien. Faudrait que je me renseigne un peu. Je crois qu'il est sorti, ça y est. Et c'était vachement sympa. Moi, j'aimerais trop y rejouer à F-Zero. Merde. On avait fait quelques lives dessus, notamment avec avec Karim, avec The Sad Panda. C'est vraiment un jeu... Je parle de celui sur GameCube, pardon. J'ai vraiment énormément d'affection pour F-Zero, mais... ouais, je pense pas qu'il va en ressortir un en vrai. F-Zero 99, bon voilà, vous savez ce que j'en pense. Je sais qu'il y a des gens genre MV qui ont grave kiffé. Perso, je dois avouer, pas trop ma cam F-Zero 99. Parce que de base, le F-Zero de Super NES, je suis pas hyper fan. Oui, c'est ça, c'est Super NES, ouais. Donc bon. Oh là là. La remontada. Bravo les gens qui avaient prono 3. Je pense la chose, t'as pas dû y croire jusqu'à la fin. Et pourtant, à la dernière frame. Ah, il a pas été compté le prono. Tu l'as fait trop tard la chose. Ah merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Oh non, je suis trop triste. La chose qui a fait son prono trop tard. Attends, t'as 150 points pour le combo, Prado. Ah ouais, c'est broken, 150 points. Dommage, j'avais prono trop tard. Ouais, je suis désolé, mais bon. Si je te l'accorde, après, tous les gens vont se mettre à prono trop tard et à demander. Donc, je peux pas te l'accorder, je suis navré. C'était pas juste après le message de PronoCart qui dit les jeux sont faits, c'était quand même au moins 5 secondes après, donc... Ok, le parc Gloop Gloop, la map qu'on n'avait pas fait depuis 1000 ans, mais qu'on était bien content de pas avoir fait depuis 1000 ans. La map nulle. Putain, faudrait que je vois. D'ailleurs, vous savez, il y a Planet Coaster 2 qui a été annoncé là. Je pense à ça parce qu'on est un peu dans un parc d'attractions avec plein de trucs aquatiques. Et que c'est un peu le concept de Planet Coaster 2. Et j'espère trop que je pourrais le streamer, mais il y a juste un truc qui me fait peur, c'est que ça y est, mon ordi, il commence à être un peu vieux. Et en fait, quand je fais tourner Planet Coaster 1, il chauffe. Mais genre, mon ordi, il chauffe à des températures où faut pas qu'il chauffe, ou genre c'est trop, genre. Genre les températures de je sais pas quoi, elles sont trop élevées.
Mais je pense déjà, il faudrait que je fasse un petit... Comment dire ? Un petit clean de... En fait, il faudrait vraiment que je nettoie mon ordi, genre comme j'ai des chats qui perdent énormément leurs poils, etc., etc. Je pense que déjà, en fait, il faudrait juste que bah, j'ouvre mon ordi, voire même je l'emmène chez un professionnel et que déjà, on le nettoie un max. Et voilà. Et peut-être, on verra, mais j'aimerais trop, trop streamer Planet Coaster 2, en vrai. Ah, mais j'ai été choqué, vraiment. Je lance Planet Coaster 1, vite fait, pour créer un coaster, tranquille. Et mon ordi se met... vraiment, il fait... Alors, je sais pas, il hyperventile. Attends, mais pourquoi je suis premier, hein? Mais c'est le dernier tour, merde! Bon, ça va, deuxième. Si tu as quelqu'un de confiance, c'est parfois utile de refaire la pâte thermique. Bah, c'est un truc qui se fait chez des professionnels, ça, Elshinmore. Genre, si je vais dans un magasin qui est spécialisé dans où c'est des professionnels de l'informatique, c'est un truc qu'ils peuvent faire, ça, refaire la pâte thermique. Moi, je suis chaud hein, pour un nettoyage, plus éventuellement refaire la pâte thermique, ça peut être une idée. Hein. Ils sont où les chats? J'ai l'impression que je les ai pas vus depuis longtemps. Bah, ils sont chez moi, mais si, en plus, ils ont fait un caméo sur le live. Enfin, il y en a un des deux qui a fait un caméo, je pense que c'était dimanche dernier, c'était il y a 5 jours. Tu aimes bien les coasters? Oui, j'aime bien les coasters, Magikarp. Tu penses que RMC va sortir un nouveau gros coaster? T'es insupportable. Attends, Prado vient de prendre un 300 points de... 300 points de bonus pour Prado! Ah ouais, 300 points de bonus, sérieusement? Salut Lady Ju. T'as vu le reportage RMC découverte sur le parc Astérix? Bah j'ai vu un petit morceau sur YouTube, Magikarp. Mais en vrai, c'est pas hyper intéressant, c'est vraiment très grand public et c'est pas hyper fun. Les reportages sur les coasters comme ça, c'est comme les reportages sur RMC sur les accidents de coaster. Je sais pas si c'est sur RMC d'ailleurs. Je sais pas sur quelle chaîne c'est, mais les trucs d'accidents de coaster, ce genre de trucs là... C'est vraiment, ils te font 4 ans de mise en contexte pour dire... Enfin vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est insupportable. Mais de toute façon, là, moi, si je prends Planet Coaster 2, je vais surtout faire des toboggans, hein, je pense. Hein. Je pense que là, je vais passer sur les toboggans, hein. Les roller coasters, c'est finito, hein. Trop une bonne idée, un jeu où tu peux créer des toboggans comme ça. C'est vraiment... Il y avait que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement improbable et en même temps, c'est tout ce que j'aime. Ça fait trop plaisir. Alors peut-être on parle pas du même Magikarp. Moi, je parle de celui où il diffuse des petits bouts sur YouTube. Et j'ai regardé 2-3 petits bouts, c'est sympa, c'est quand même un peu de la technique et de la vulga, mais... Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le gars de la chaîne EDB World, là, quand il avait fait une vidéo de plus d'une heure, où il allait dans les... vraiment dans les locaux techniques de Toutatis et tout. Donc pour celles et ceux qui savent pas, Toutatis, c'est un manège assez récent, une montagne russe assez récente au parc Astérix. Et le gars, il est allé dans les locaux et tout avec les employés du parc et vraiment, il vulgarise un max. Non, c'est pas Coaster Tube. C'est une chaîne, je crois, elle s'appelle EDB World. Je crois que Jiraya, il est pote avec le gars de cette chaîne, d'ailleurs. En tout cas, il le connaît, quoi. Jiraya, grand fan de coaster aussi, il me semble. Vas-y, je tire mes boulasses vers l'arrière. C'est abusé. Sixième.
Mais ouais, c'est trop intéressant quand ils expliquent tous les trucs de sécurité, etc. C'est hyper, hyper intéressant. Est-ce que je vais avoir un petit paquebot Daisy avant la fin quand même ? Non mais ouais, faut que je trouve une solution pour Planet Coaster 2. Le truc qui me fait chier, c'est... Comment vous déplacez un ordinateur quand c'est un gros ordinateur ? Genre déjà, est-ce que c'est fragile, genre ? Moi, vous savez, je suis jamais allé faire des LAN ou des trucs comme ça où t'embarques ton ordinateur. Et moi, ma tour, elle est stock. Elle est vraiment stock. Et comment vous transportez ça ? Et comment... Et est-ce que c'est fragile, genre ? À quel point c'est fragile et tout ? Répondez après les pronos, sinon je vais rien voir. Dans une valise avec du papier bulle dedans. Mais je crois ma tour ne rentre même pas dans une valise, no joke. C'est pas fragile, mais la jette pas par terre, quoi. Faut juste pas la faire tomber. Ok, ok. Genre, je la place dans la bagnole, je l'attache avec une ceinture et tout, genre. Non, mais en vrai, il faudrait que je le fasse, parce que vraiment, je sais qu'elle est mille fois trop poussiéreuse. Waouh. Ouais, son carton, je crois que je l'ai même plus. Ah ouais, enlever la carte graphique, mais je sais même pas comment faire ça, moi. Mais pareil, dans un sac de course, je pense qu'elle rentre pas, hein. En vrai... C'était vraiment un bon ordi quand je l'ai acheté, mais bon, comme tout, ça prend le temps passe, quoi. Hein. Puis en vrai, j'utilise énormément l'ordinateur, quoi. Je pense que littéralement, il était... Bah non, mais c'est même sûr. Il doit être allumé à peu près, depuis que je l'ai, les deux tiers du temps, genre. Peut-être pas les deux tiers, j'abuse, mais... 60% du temps depuis que je l'ai, l'ordi est allumé, quoi. Chour un caddie au Cora de Bourgoin-Jallieu, ça peut être une idée, hein. Troisième place, c'est honorable, ça fait plaisir. Non, je connais pas Magikarp. Déjà, au cas où les man ils fassent pas le truc direct, ça veut dire qu'il faut déjà que je trouve un moment où je sais que je vais pas streamer et tout pour l'emmener. Ça fait beaucoup. En plus, faut tout que je débranche, que je note chaque truc où c'est qu'il est branché, etc. C'est un bourbiax, hein. Un gros sac bleu Ikea. J'ai pas de Ikea vers chez moi, mais je vais me procurer ça, je vais trouver. Ah ouais, Tom qui fait un bon combo aussi. Bien joué, Tom. Ouais, ou prendre une photo pour les branchements, mais si je prends une photo, sachant que c'est juste tous des câbles... Enfin, c'est beaucoup de câbles USB, je vais juste être en mode, ok, donc là, c'est un câble USB. Ok, donc là, c'est un câble USB. Bon, après, les trucs genre clavier-souris, je pense on s'en fout, clavier-souris... Mais bon, j'avais tout bien fait à l'époque où j'ai eu mon ordi, quoi. Mettre... favoriser les ports USB 3 pour tel truc, tel truc. Pareil, les HDMI dans le bon ordre et tout.
Ok, avant-dernière course, et ce sera sur Jardin Peach. Donc les amis, je vous rappelle que ça sera la fin du live après la prochaine course. Et que, a priori, je streamerai probablement pas demain. Mais dimanche soir, si jamais je suis invité sur les Rolus, je ferai sûrement les Rolus. Voilà, voilà. Petit champlard. Bah non, j'ai pas d'objet, je peux aller me faire foutre. En bas de foudre maintenant, s'il vous plaît. Ah ça, c'était pas volontaire, mais vas-y, hein. Je voulais pas proc l'étoile maintenant, à la base. Parce que là, là pour le coup, une foudre, j'y crois un peu. Ah, le niveau est vénère hein, quand même sur cette game. Ouais. J'hésite un peu. Non mais je vais forcément avoir un objet qui me permettra de faire le cut. Ouais, c'est bon. C'est un Stradves qui a réussi à pas se faire écraser par le chomp. Et ben c'est encore un top 3. Bravo les gens qui avaient prono 3. Je vais jeter un petit coup d'œil au classement vu que on a quasi terminé. Il reste une course après. Tom est en tête du coup avec 2404 points. Prado 2ème et Stradves 3ème avec un seul point de plus que Fizap. Bravo, bravo. Hein. Franchement, énorme remontada quand même. De... Ouais, j'ai oublié le pseudo de la personne qui est en premier. C'est la personne qui avait chopé un méga combo, non? Je sais plus. Ouais, faudra que je regarde. C'est Tom, hein, je crois, qui est en tête. Ouais, c'est ça, c'est Tom. Tom qui a enchaîné les combos et tout, en vrai. Planet Coaster va tourner sur Switch à Skip. C'est vrai, hein, Magikarp, ou tu trolls? Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Non, ils l'ont pas annoncé sur Switch, je me souviens. Ils l'ont annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, je crois. Mais genre, il y aurait des rumeurs qu'ils seraient en train d'essayer de voir pour le mettre sur Switch également. J'y crois pas une seconde, en vrai. Mais par contre, sur la prochaine console de Nintendo, il y a moyen, je pense. Hein. Mais déjà, ça m'étonne que Planet Coaster 2, en vrai, il n'ait pas été annoncé sur PS4 et sur Xbox... je sais pas laquelle c'est, Xbox One, je pense. Celle qu'il y avait avant la Xbox de maintenant, quoi. Et donc notre dernière course d'ailleurs c'est Bois Vermeil, ce qui est une bonne map, même si j'aurais bien aimé avoir le petit pack Bow Daisy, ça aurait fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave.
Pourquoi Matt s'est arrêté, il prépare un truc malveillant? What the fuck? Vous avez vu, c'était trop bizarre, non? Ou c'est juste pour pas se prendre main rouge? C'est trop chelou en vrai. Ah, il attendait de farm ça. Habile. Je gamble un objet, mais ça me prend du temps d'aller chercher cet objet. Tout ça pour une rouge de merde, mais non. Ça, par contre, c'est vraiment abusé. Non, je vais pas me prendre cette banane, pitié. Et bien, ce sera un top 6 pour terminer. Bravo les gens qui avaient prono 6. Voici donc le classement final de cette session. Deux prono cartes. Fizzup qui va chercher la deuxième place. Mais c'est malgré tout Tom qui l'emporte. Avec 2404 points toujours. Fizzup qui a pris la deuxième place. Et Prado en troisième sur le podium. Et derrière Strat VS, Random Land, etc. Bravo à toutes et tous du gros niveau ce soir sur les pronos. Félicitations, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ah ouais, ADN, zéro prono. Alors, il y a des joueurs comme ça, ça veut dire que prochaine fois, t'en feras plein. Prochaine fois, t'en feras plein, aucun doute. Bon, les amis, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment chaud. Et... je vais vous dire probablement à dimanche pour du Rolus, même si Bribri m'a pas confirmé. Et en vrai, si je fais pas les relus, il y a quand même moyen que je fasse un truc, même si j'ai pas encore réfléchi ce que ce serait. Je ferai peut-être un petit live dimanche soir, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je vous envoie chez quelqu'un qui cherche des Pokémon. Enfin, je vais vous envoyer chez Bribri. Je vais vous envoyer chez Bribri. Et puis du coup, pour prendre nos cartes, normalement, tous les vendredis à 19h du coup. A priori, hein, à confirmer, je suis pas sûr à 100%, mais probablement tous les vendredis à 19h pour le pronocart. A priori, on partirait là-dessus, donc pour celles et ceux qui veulent refaire pronocart, rendez-vous probablement vendredi prochain à 19h, on verra. Ok, ils ont super bien avancé. Ils ont super bien avancé, ça fait plaisir. Ils sont à 514 shiny capturés sur 151. Donc il leur en manque... là je crois qu'il y en a encore un qui vient d'être capturé à l'instant. Ouais, donc il leur en manque 46. 36. Pardon, 36. Ça devrait faire. Je vous envoie chez Bribri, soyez sages dans son chat. Je compte sur vous. Merci infiniment de m'avoir suivi pendant ce live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis rendez-vous très probablement dimanche soir du coup, que ce soit pour du Among Us ou pour autre chose. Bah d'ici là, comme d'hab, hein, reposez-vous bien, hydratez-vous bien. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. À très bientôt, je l'espère. Ciao tout le monde!